Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, il me semble, hein. Bon, sans déconner, on va faire tourner cette roue de mort là. J'avais oublié de régler ce paramètre. Je sais pas ce que c'est. Ah! Crimson Planet. Bon, les gars, qu'est-ce que Crimson Planet? Bah c'est une planète Crimson. Bon allez. Alors, nous allons jouer comme des experts. Ici, bon, il n'y a rien de spécial. Hein, qui soulève... Alors là, problème. T'arrives ici, bim, mais hé, tu peux buffer. Alors, pas l'orbe bleue. Hein. Mais après, c'est pas si dur. Donc au final, alors, deux problèmes. C'est un peu un hors-screen et en plus, tu es sur le ground. Bon, c'est un peu pardonnable, alors parce que tu peux buffer, c'est pas cancer. Ça va. Bon, pas d'invisible, hein, ça on a vu. Oula, c'est spécial, c'est particulier ce ship là. Ah, c'est pas le meilleur ship, ça, on va pas se mentir. Oula, oui. Ah oui, non mais, ah oui, les piques comme elles sont mises. C'est pas très très bien ça. Ok. Non mais là on est pas mal là. Je crois qu'on est pas mal. Clique, merci. Clique dedans. Ah oui, alors. Ça coupe un LV2. Alors, je peux vous mentir que ça c'est pas très ouf. Ah, c'est sync ça. Quoi, attends. Pourquoi il y a des collisions vertes là? Attends, il doit y avoir des. Ça va être des portails, à mon avis, des trucs invisibles. Oula, il faut tomber dedans après. Ah ouais, mais. Ah oui, c'est. Ah oui, ils s'emmerdent pas là, les petits là. Mais c'est quoi ça? C'est de la merde? Mais ça, c'est de la merde, par contre, t'as reculé. Rien à foutre de s'aimer le niveau ou pas, c'est de la merde, tu vois. Non, ça a toujours été. Hein. Regarde, ouais, bref. Alors, Ah ouais, non mais. Ah oui. Alors oui, alors, donc ouais, cette wave c'est vraiment de la merde, hein. Par contre, ouais, fallait se reculer là. Non, c'est de la merde, cette wave ne pas faire. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, ouais, on va se mettre en... Oh, il y a un truc là, replay. Ah, il y a un bot maintenant. Oh cool, je vais pouvoir tricher. Bref, alors. Donc déjà, ça c'est cancer, c'est en fois 3 ou fois 4, je ne sais plus. Donc t'arrives là. Ok, tu passes. C'est pas le pire. En fait là, le truc nul, c'est que... Alors déjà, pourquoi ils ont mis une porte en bas là? Ça ne sert à rien. C'est inutile, voilà, parce que t'es censé hold. Non, t'es très bête. Ah, tu hold. Là, tu dois lâcher. T'as quelques frames pour lâcher. Alors, déjà, en fait, de base, ça, c'est pas bien. Faut éviter des trucs comme ça, de base. C'est mieux d'éviter. Après, s'il y en a, c'est pas grave, mais c'est mieux d'éviter. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'en mettre plein. Alors, à moins qu'il y ait un concept à faire, alors là, comme c'est mis, parce qu'en plus, t'as des changements de taille. Tu vois? T'arrives là. Alors, ça, c'est très cancer. Là, tu passes en mini et après tu repasses. Ça, c'est cancer, tu vois. Ne pas faire. C'est très très cancer. Si j'ai un conseil pour vous, ne faites pas ça. Voilà. Si vous faites des niveaux, ne faites pas ça. Là, tu peux faire des buffers. Alors, en fait, je comprends pas. En fait, c'est ça que je comprends pas dans les niveaux difficiles. C'est qu'en fait, t'as des trucs très 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 durs comme avant. Et juste après, tu peux tout buffer. Je ne comprends pas. C'est quoi le principe du niveau en fait? Fixit box. Alors là, c'est non, c'est pas bien. Ne faites pas ça. Voilà. Ne faites pas des fixit box, surtout dans des strat fly. Le pire, c'est de faire des fixed box dans des strat fly ou dans des waves. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment les. En fait, les game modes qui sont un peu libres, tu vois, de leur mouvement, faut vraiment éviter les fixed box de préférence. Vraiment. Et si t'as des fixed box en cube, bon. Ok, pourquoi pas. C'est mieux d'éviter, mais pourquoi pas. Et en ship, ne pas faire. Ah, tu ne peux pas buffer. Ah, faut faire un timing dans la pique. Ah oui, ça, je connais bien, c'est. Non, ça, c'est stylé, par contre. Ah, et là, ça a inversé. Ah oui, donc portail invisible, ne pas faire. Sauf si c'est le but de ton niveau, mais ça m'étonnerait que tu fasses tout le temps des niveaux où c'est des trucs invisibles. Voilà, mais ça me cassait les couilles, ça. Hein. Je le dis tout de suite, hein, mon gobelin. Ah, ok, là je suis bon. Alors, ça, c'est pas le meilleur, hein, les waves comme ça, là, la Sonic Wave, là, les trucs comme ça, rien. J'ai pas compris que ça soit assez cancérigène. Donc là, on est en quoi, là? C'est quoi, là, le game mode? C'est du ship. Ok. Wave spam. Pourquoi? Ouais, ok. Là, in tout ça. Oula, ouais. Ah, oui, donc, quick fix box avec des pentes carrément. Ah salut toi, ça fait longtemps. Oula oui, alors ça, ouais bon, éviter ça, hein, évidemment. Enfin bon, ça c'est logique. Ah, il y a des pics dans la wave. Bah, là, c'est pas bien grave, parce que t'es pas censé les toucher. Si tu les touches, t'as fait exprès de cliquer. Ok, donc là, ça va. La partie UFO, elle était pas mal, ça va. J'ai mis la wave difficile, évidemment. Oui. Ah, il y a des pics là. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, pourquoi pas, oui. Oui, bon, ouais, faut éviter les trucs comme ça. Bon, de préférence éviter, même si ça, c'est pas le pire, ça va. Fixit box, alors là c'est vraiment très cancer donc ne faites pas ça. Ça c'est de la merde. Oh, d'accord. Même dans taille de wave il n'y avait pas ça. Même dans taille de wave il n'y avait pas ça.
C'est pour vous dire. Ah, il y a des pixels de box là aussi. Alors ça, c'est pas bien, du coup. D'accord, donc ça, c'est ne pas faire ça. Donc là, c'est vraiment... Oui, donc là, c'est à chier, bien sûr. Je ne ferai jamais ce niveau, donc, hein, du coup. Hein. Même si j'avais le niveau de le faire, je ne ferai pas ce niveau. Il y a des pixels de box partout. Genre, des pixels de box en wave en chiffre comme ça, là. C'est pas très, très bien. Bon, moi, ils ont mis des blocs D, c'est déjà ça. Non, mais là, les gars, là... C'est quoi ça? Même taille de wave, ils savaient pas y faire, mais au moins ils ont pas mis de fixé de box, tu vois. Bon, Sozone qui a mis des trucs invisibles, mais bon, bref, lui, il sait pas y faire. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? On voit rien du tout. Ok. Voilà, on sait pas où faut aller. Moi, je dis qu'il faut aller là. Comme ça. Wave dash orb, évidemment. Bon, ça, ça va encore, c'est stylé. Ça va. Pourquoi la musique, genre, elle est comme avant, mais genre, c'est très lent. Il y a des fixé de box, ça aussi. Ah ouais. C'est de ma faute. Donc, t'arrives là comme ça. Oh, ça, c'est bien ça. Donc ça c'est auto, ok bah pourquoi pas. Là, tu fais un clic, hop into Ah alors attendez, là je me suis mal pris, alors c'est ma faute, c'est bien. 12 ans de métier, 45 ans d'expérience. Ah ouais pas mal la transition. Ah ouais t'arrives là comme ça là. Voilà, c'est fixé de box là aussi, mais pourquoi? Mais quel est le but derrière? C'est nul. Et pourquoi d'un coup c'est très facile comme ça là? Merde. Mais ce niveau... Mais la difficulté de ce niveau n'a aucun sens. Je ne comprends pas la difficulté de ce niveau. C'est random. C'est-à-dire que des fois t'es très dur et des fois il y a des trucs, c'est free. C'est comme Tidal Wave. La difficulté, tu vois. Genre t'as des petites parts où c'est méga free. Je sais pas pourquoi, c'est facile. Et puis t'as d'autres parts où c'est très dur. On va aller voir ça parce que là, c'est pas possible. En fait, ce niveau contient une somme aberrante de fixed box. Voilà, j'ai jamais vu un niveau avec autant de fixed box. Alors déjà, première chose très nulle de niveau, c'est cette wave. Elle est à chier, bon. Alors pourquoi? Parce que soudain... Alors, est-ce qu'on est en x4 déjà? Non, mais c'est la vraie question. Nous sommes en x3. Bon, ça ne change rien, ça va très vite. Bon, nous sommes ici. x3, tu dois passer là-dedans. Bon, c'est super, on est content, c'est magnifique. En plus, à retenir. Tu ne vois pas grand-chose. Bref, donc t'arrives là, into comme ça, t'arrives là, hop, tu dois passer dans les pics évidemment. Là, tu dois arriver là, ok. Là, tu dois passer dans les pics. Alors ça c'est inattendu, mais c'est présent. Donc là, il faut bien se dire que bon, il y a des blocs D partout là, les mecs ils sont pas fichés. Donc là, ça c'est très cancer. Alors ça c'est pire que le truc d'avant. Alors ça c'est pas très très bien. Ça va, c'est pas le pire ça. C'est pas très très bien, mais ça passe. Alors que ça c'est de la couille. Ça c'est pas très très bien. Ça, c'est de la merde. Après, t'es obligé de prendre l'orbe, là, donc ça, ok, d'accord. Là, random, tu peux tout buffer. Bon, pourquoi pas. Ça je comprends pas, hein, parce que bon, moi, j'aurais jamais fait ça. Hein, si tu, j'aime pas trop mettre des buffers random comme ça, ça n'a pas de sens. Tu fais un truc difficile, pourquoi tu mets des buffers? C'est la vraie question. Des buffers simples, hein, en plus. Hein, c'est ça le pire. Genre, t'as. Voilà. Juste après, t'arrives dans un chip fixed box. Alors, ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas bien. Un chip fixed box, ne faites pas ça, c'est dégueulasse. Surtout un chip, hein. Ah, il y a des fixed box là aussi, j'avais pas fait attention. On se souvenait plus en tout cas. Il y a des murs anti-no-clip évidemment. Bah, au cas où que. Bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis un mur anti-no-clip là. De toute façon, ça fonctionne plus en 2.2. Et donc, cette wave elle était stylée là, ok. Mais, problème c'est ça là, ça c'est de la merde ça. Ces trois pics là, c'est très très nul. Ouais, donc c'est un gameplay un peu de l'époque, donc voilà. Ils avaient pas tout à fait. Pourquoi il y a une pique invisible là? Pas bien ça. Faut les mettre visibles, mon petit. Il y a pas de fixed box là, étonnant. Alors là, fixed box par contre, mais là t'as plus que... Non mais là c'est plus que du fixed box là carrément, c'est carrément hitbox accurate, tu vois. Parce que c'est comme s'il avait mis des pentes. Donc au final, voilà, ça aurait été des hitbox de pics, ça aurait été très très cancer par contre. Donc là, les pics dans la wave, ça change rien, qu'il y en ait ou pas là, franchement. Ah oui, alors ça c'est fantasmagorique. Alors pourquoi? C'est de la merde, voilà, ne faites pas ça. Très très cancer. Ça c'est nul, voilà, on va pas se mentir. Si vous dites que c'est bien, faut quitter le jeu. Donc ça après bah, c'est tout fixed box pareil hein, évidemment, donc ça cette partie elle est à chier, très très nul hein, franchement. Ensuite into c'est sombre, ok, donc là il y a rien de spécial hein, c'est juste difficile parce que voilà on voit pas grand chose, ok, et petite dash orb. Par contre la déco elle est stylée là, par contre là t'arrives dans cette part là, ça devient stylé, elle est trop stylée cette déco là, il y a tout plein de trucs, plein de détails là, ça c'est bien ça. Avant la déco elle était bon, un L level quoi, c'est bon voilà quoi. On connaît quoi. Pourquoi il y a un hand spinner? On s'en fout, bref. Puis après, t'arrives là, et into c'est très stylé. Ouais, c'est cool là. La déco, non. Là, il y a pas mal d'ambiance, c'est stylé ça. Ouais, voilà. Ensuite, t'arrives là, il y a des fixed box, il me semble. Alors, là, ouais, c'est quoi ça?
Ouais, c'est... Ah, parce que c'est des pics, ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Allez, bonjour. Ah oui, et une toux, ici, c'est facile. Alors, pourquoi c'est facile, là? C'est une vraie question. Pourquoi ici, c'est facile? Certes, il n'y a pas de bug day, là. Mais, t'as vu l'écart? Pourquoi? Alors là, c'est free, là. Tu peux buffer des trucs et tout. Ici, ça... Ah, tu peux peut-être... Oh, si, ça, tu le buffer 100%, ça. C'est tout ça. Pourquoi c'est... Ok, bon pourquoi pas. C'est pas grave, c'est la fin. Qu'est-ce que je retiens de ce niveau? Ça aurait pu être pas mal. Mais malheureusement, bah, c'est de la couille. Pourquoi? Bah, il y a beaucoup trop de fixed box. Ouais, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est le niveau avec le plus de fixed box que j'ai jamais vu. Right, hein. Donc là, voilà, c'est le niveau que je me souviens avec le plus de fixed box possible. Donc c'est pas bien. Puis t'as ça, là, les deux portails, là, non, c'est pas bien. Bon, la déco, par contre, bon, elle est dans le thème, hein, du coup. Bien sûr. Les parts qui sont pas fixed box, bon, ça va. Par exemple, cette part-là, là, ça va. Voilà, donc quand t'arrives dans l'éditeur et que tu vois des aberrations comme celle-ci, bon. En question. Bon écoutez, si vous aimiez le niveau et que vous voyez que je l'aime pas, et ben tant pis pour vous. Mais après vous avez le droit d'aimer des niveaux qui sont pas forcément bien. Hein. Enfin, moi c'est mon cas. En tout cas, Crimson Planet, Fixit Box Land. À la prochaine fois.